Si des étudiants meurent, on laisse mourir des étudiants. Cet après-midi, le maire de Marseille, Benoît Payan, s'est rendu sur le campus de Lumini, où une épicerie solidaire, l'Agoreille, a vu le jour. Le principe est de proposer des denrées gratuitement à tous les étudiants de la faculté d'Aix-Marseille et écoles privées. On ouvre ces épiceries solidaires qui sont des systèmes beaucoup plus viables et qui permettent aux étudiants de mieux s'adapter, de ne pas faire la queue justement, ce qu'on voit dans les médias, pendant des heures pour avoir un panier alimentaire. Là, vous avez des plages horaires plus longues, un accueil qui est plus terrain et quelque chose qui, pour nous paraît mieux en termes de réponse. Cette étudiante étrangère a perdu son job. Pour elle, cette épicerie est plus que nécessaire. Ça aide parce que personnellement, j'ai perdu mon travail depuis août, j'ai pas travaillé. Donc la situation est difficile, rien que le loyer, les charges qu'on a. C'est dur et ça nous aide bien, ça. Depuis la crise du Covid, les étudiants sont fortement touchés par la précarité. Ce matin, un certain nombre d'entre eux ont manifesté au départ de la porte d'Aix. On a nos problèmes, on veut se faire entendre, mais c'est que le début. Le 16 mars, on a une date nationale, donc il y aura encore un rassemblement étudiant sur Marseille et partout en France pour continuer à montrer notre mécontentement et notre misère. Des étudiants meurent, on laisse mourir des étudiants aujourd'hui. Pour le maire, si la situation est alarmante, cette épicerie est une belle preuve de solidarité qui donne de l'espoir. Alors, je suis très fier, et vous avez vu ce qui peut se passer quand il y a la solidarité. C'est des étudiants qui savent mieux que n'importe qui. Il existe des étudiants dans cette ville qui sont très précaires, qui perdent tout parce que la crise est difficile. On a des étudiants aujourd'hui qui dorment dans la rue et c'est insupportable. Et quand on voit ce que sont capables de faire des étudiants, à quel point ils peuvent se mobiliser, ils sont allés chercher des ressources partout. Il y a des boulangers solidaires qui leur donnent du pain, il y a des agriculteurs solidaires qui leur donnent des produits frais. Et on a aujourd'hui des étudiants qui peuvent venir ici parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, qui peuvent prendre un panier une fois, deux fois, trois fois par semaine et qui peuvent vivre dignement. Et donc on a des étudiants qui rendent de la dignité à d'autres étudiants, des Marseillais qui rendent de la dignité à d'autres Marseillais. Et moi j'en suis très fier.